Alors, l'association qui organise cette soirée s'appelle l'association de l'art de vivre. L'art de vivre, pourquoi? Parce qu'elle s'occupe beaucoup du développement individuel. Et puis également parce qu'elle a un objectif humanitaire. Aujourd'hui, l'association souhaite aider deux projets en particulier. Un qui se situe sur justement la zone de conflit en Côte d'Ivoire, entre Boaké et Abidjan, et qui vise surtout l'hygiène, qui reste un gros problème, avec la construction de toilettes sèches, notamment en géobéton, en terre compressée. Ça, c'est une première chose. Et puis, de l'autre côté, un peu plus au sud-est, le Cameroun, où un gros besoin sur le plan rural et sur le plan agroéconomique s'est fait sentir, eh bien, on installe toute une chaîne économique rurale qui vise premièrement, et dans le respect le plus strict de la nature, à cultiver eh bien, des céréales et des légumineuses et des racines qui poussent localement, à savoir le maïs, le manioc. Après, on a des haricots, il y a de la patate douce, enfin, il y a plein plein de choses. Et aussi beaucoup de cultures vivrières pour, on va dire, renforcer le compte en banque et le niveau de vie des ménages sur place. Ensuite, le deuxième volet, une fois qu'on a produit les choses sainement, on offre la possibilité avec un outil, qui est un moulin, qui est entraîné par une turbine hydraulique, donc toujours aussi écologique, de transformer toutes ces cultures en farine. Et aujourd'hui, on installe ce moulin pour produire à peu près 800 kg de farine par jour, de façon à tirer un revenu aussi également pour des micro-entreprises rurales. Et dernier volet, une deuxième transformation pour renchérir la valeur ajoutée que eux peuvent récolter, c'est les boulangeries rurales. Voilà. Globalement, et pour ça, comme l'association a une origine indienne, on souhaitait faire le pont ici, sur la Baleine Blanche, entre la culture de l'Inde, l'Occident, dans lequel on se trouve, ce sera surtout le background musical, et puis et la destination qui est l'Afrique, en tout cas pour cette fois-ci. Take a deep breath in, hold and inspire, and breathe out. Relax your shoulders, relax your body. The working day is over, we can just enjoy now. La journée de travail est terminée, vous pouvez juste apprécier le moment maintenant. We'll chant together. Breathe in. Inspire. C'était vraiment dans l'esprit de notre association parce que financièrement aussi, c'était, moi je dirais pour nous, c'était très important récolter les fonds qu'on a récoltés ici pour travailler dans le milieu rural au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Et comme notre association n'a pas l'accès à des très grands fonds dans des très grandes institutions, ce sont des soutiens des gens comme ça et des soirées comme ça avec qui nous permet à avancer de notre travail. Merci.